Hello à tous, c'est Gwensan, et aujourd'hui on attaque une nouvelle série de Let's Build. Donc c'est un immeuble encore. Donc un immeuble un peu spécial, parce qu'il sera à cheval sur l'autoroute. Donc voilà, c'est une particularité en plus. Ici ça sera plus de du soutien ici, que de l'autre côté, hein. L'autre côté, ça sera plus plus le bâtiment. Puis après, le bâtiment, il viendra au-dessus direct. Donc, on va commencer tout de suite déjà par délimiter la hauteur du tunnel. Parce qu'il y aura forcément un tunnel. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, les hauteurs standards. Si on fait 4 mètres, par exemple, ça fait 2, ça fait 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis après je rajoute encore 2 mètres pour la marge. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, pourquoi j'ai compté 10 déjà? Hop. Et ensuite on va tirer. Voilà. Alors voilà, j'ai pris des matériaux voilà, simple pour l'instant. C'est quoi qui vole là-bas? Ah. Voilà, j'ai pris des matériaux simples pour l'instant, et puis après si je vois que ça va pas forcément bien, on changera, hein. C'est pas, c'est comme quand on construisait à la neige ou tout en bois au départ. Voilà, donc c'est délimité. Ensuite moi je vais avoir un petit souci là. C'est qu'il va falloir que je fasse tout ça à la main. Alors, est-ce que je... Voilà, comme ça. Ensuite, comme ça. Ici, comme ça. Voilà, je sais ce que je vais faire. Au lieu de stacker en longueur, je vais stacker en hauteur. Donc, je fais la base. Donc je suis encore sur mon serveur, hein, je suis toujours... J'essaie de faire le maximum de vidéos pendant les vacances pour éviter que qu'avec le boulot ça, voilà, ça me gêne dans les deux sens. Et là, comme j'ai le temps de... Là, ça va pas être super ici. J'ai le temps de réfléchir à tout ce que je peux faire. Temps de faire les vidéos aussi. Alors désolé, j'ai l'air un peu enrhumé. C'est, je sais pas ce qui arrive, mais j'étais pas enrhumé juste avant de faire les vidéos. Et puis à chaque fois que je commence une vidéo, ben, ça arrive. Alors, vous avez déjà peut-être entendu ça chez Coreblock. Mais voilà, c'est inexplicable. Alors, stack 8. 8 normalement. Pourquoi ça pas fait? Ah si. Ben non, c'est 9. Voilà. Et j'ai pas fait lui, mince. Voilà, tout simplement. Là, on a notre morceau. Ça va faire un peu brut, hein, on dirait. Ici, bah là, comme ça on stack. Alors j'avais vérifié. Stack 44. Ça me l'arrive direct là. Un cran avant. Bah écoutez, je vais me servir de ça là, parce que ça c'est moi qui ai fait. Le plot, du coup, il est jusqu'ici. Et puis ça va s'intégrer finalement avec le pilier qui est là. Alors peut-être que je ferai
ici. Alors c'est pas montré dans mes plans que j'ai. Ouais, allez. On va faire venir jusque là, intégrer à 2.7. Oui. Du coup là-bas, on peut faire venir du coup jusque là. Ouais, parce que ça me disait rien là, jusque là. Mais là c'est mieux. Hop, et là, voilà, comme ça. Un truc, ça ira plus vite du coup. Hop, ah, vous aimez bien quand je fais en diamant. Non. Vite, 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 vite. Voilà, donc on a déjà notre notre tunnel de délimité. Ensuite, donc je pense que ma base, je serais obligé de la faire en couleur comme ça. Non, je sais pas. Parce que du coup, on pourrait penser que c'est ça qui porte en plus là. Bon, on verra ça. Alors ici, comme ça, si ça je laisse déborder, je vais faire du double voire du triple, non du double ça serait mieux. Donc ici je vais avoir ma première barre, si on peut appeler ça comme ça, une poutre en acier repeinte hein, bien sûr, on pourrait bien dire en n'importe quoi, qui va arriver à l'aplomb du rouge. Et jusqu'ici, donc encore deux. Deux, comme ça. Voilà. Et qui va courir tout le long du... et qui va aller tout droit jusqu'au bout de l'autre côté du plot. Alors vous savez quoi, non je vais faire comme ça. Tout le long. Jusqu'ici, et c'est ici qu'on va stacker. Alors stack, il me semble que c'est 50 à peu près. Hein. Stack 50, peut-être 60. Ah, 70 même. On va essayer 65, allez. Soyons fous. Si c'est un peu trop, on déborde. Vous voyez avec l'ombre. D'ailleurs c'est bizarre, pourquoi j'ai pas l'ombre. Et pourtant j'ai le bon shader. Donc là, pareil, on arrive à pile poil. Donc là, normalement, hop, ouais, on est à pile poil. Et on va doubler ça. Hop. Donc ça va être une grosse base. Une grosse base. Avec ici plus du pilier qu'autre chose. C'est là.
chemin. Ça nous fait un gros pilier. Okay. Non, c'est pas un pilier que je veux, c'est pas une poutre non plus, c'est carrément un sol. Donc c'est stack, on avait dit 44, 50, on va voir. Déjà ça fait déjà des trucs encastrés. Ça fait chouette là. Donc ici je vais faire pareil. Alors ça sera bien évidemment je sais pas s'il y aura des piliers finalement ici, mais on pourrait faire un genre de petit coin détente à cet endroit là qui surplombe en fait, et là il y aura des petits piliers parce que je veux pas faire on va pas faire des, comment dire, des pièces qui descendent jusque là, hein. Enfin des pièces, des salles, parce que ça va être un resto, un truc comme ça, c'est un immeuble, je sais pas si c'est un immeuble d'habitation, ouais. Là, hop, pareil. Ouais. Encastré dans la première marche. Voilà. Ça, je vais y enlever. Parce que du coup, on sait. De toute façon, je veux pas dépasser le passage piéton. Là. J'ai fait un petit passage piéton qui passe en dessous de l'autoroute et qui rejoint les deux petites rues, histoire de garder toujours un esprit enfin connecté par rapport à toutes les rues, connecté en piéton. Parce que je trouve que voilà l'autoroute elle aurait coupé un peu trop la cohésion entre les deux quartiers. Entre celui-là et le futur, plus le quartier, le quartier qu'on a fait avec ma mare de maison. Alors là, comment on fait? On va stacker ça aussi. Hein. Donc, pourquoi j'ai doublé stack 57. Voilà, du coup, de ce côté-là, ça ferait ce genre de choses-là. Avec, est-ce que ça rend joli? Ça rend pas top ici, pas top du tout. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est doubler ça. Je sais bien que ça irait pas comme là-bas, mais bon. Là il y a l'immeuble dessus, tandis que de l'autre côté il n'y a pas d'immeuble. Et là, on va faire exceptionnellement comme ça. Je pense que c'est mieux. Et ici, on va finir. Voilà. Et puis ça, par contre, ça m'embête. Alors, est-ce que je tire pas un cran plus? Non. On verra, parce que peut-être que là, je ferai des espèces de renforts. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite. Alors là, il faudra que je fasse des repères. Parce que mon gros pilier, en fait, de l'immeuble, je pense le foutre ici. Sur mon dessin. Enfin, sur mon... Une espèce de truc qui me sert de plan. mon pilier. Enfin, je décidais d'un pilier ici. Mais du coup... Du coup, c'est un pilier de côté. Et normalement, j'ai des piliers centraux et un autre pilier sur la largeur. Mais qui sera plus posé là-dessus parce que ce sera plus léger.
Ouais, parce que je tiens compte aussi du poids qu'il pourrait y avoir. Enfin, j'essaye de tenir compte. Donc ici, alors, après, là, on va faire jusqu'ici. Alors, je vais faire des... M'en veuillez pas, hein, ça coûte cher, je sais, mais... Des repères, donc. Une base comme ça d'immeubles, j'aime bien les faire hautes, les pièces qui sont dedans. Donc au lieu d'avoir 4 de hauteur pour une pièce classique, j'aime bien mettre 5, 6 ou voire 7 des fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va mettre 7. Et du coup, on reprend l'argile gris et on étire de nouveau pareil. Alors, je vais plutôt... Alors, c'est à partir de où? Ouais, ça monte déjà d'un petit peu. Je vais copier... Ah, je peux pas copier cette partie. Bon, tant pis, allez. Tac. On va stacker comme on fait d'habitude. Alors, comme je vous disais, non, je vous ai peut-être pas dit d'ailleurs. Donc je pense que vous voyez sur la miniature, hein, je lance pas tant que j'ai pas fini. C'est un... Comment dire? C'est un immeuble, alors la base elle sera en trompette du coup. Hein, elle va s'élever là-bas. Comme ça, jusqu'au bout du truc. Et l'immeuble en lui-même, il sera pareil, mais debout. Du coup, ça fera comme un vase. Comme un vase, quoi. Donc voilà, là on met à la double hauteur. Et ensuite, on va essayer de monter en arrondi. Alors, on va monter d'une façon simple. Je vais faire ça. Ça, c'est bon. On n'a plus besoin. Je vais monter d'une façon simple. C'est-à-dire... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais regarder. Au bout d'un moment, ben, on va laisser... on va doubler, voire tripler les machins. Donc, là, je laisse 5. Alors, on va commencer 1, 2, 3, 4, 5 encore. Après, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comme ça ralentit la pente, parce que autrement, si j'avais fait comme ça, j'étais vite à 1, puis après vite à remonter tout droit. Donc là, 4, ensuite on va mettre 1, 2, 3, puis on va le faire 3 fois. Un, deux, puis là je pense qu'on va s'arrêter en 2. On va laisser droit ici. Et on va jusqu'au bout ici. Ah, c'est parce qu'il n'y avait pas le soleil encore, c'est pour ça. Maintenant il y a le soleil. J'ai les ombres. Alors du coup maintenant je sais plus où je suis. Il me semble que c'est bon là. Ouais, c'est bon. Pile poil. Pile poil comme ça, donc vous voyez l'arrondi comme ça fait. Hop. Du coup on va doubler ça. Alors oui, il faut y faire à la main.
Mais je vais y faire à ça, puis après on va remplacer ce qui manque. Et vous voyez, en étant doublé, ça paraîtra plus costaud qu'en étant simple. Simple, et puis par exemple, des fois on fait ça, et là du coup ça paraît rien. C'est pas accroché du tout, donc c'est pas bon. Tac, tac, hop. On va y arriver. Voilà, et on va remplacer ça par du gris. Voilà. Voilà notre petit bazar, et on va stacker tout ça. Alors je vais peut-être y stacker en deux fois, en plusieurs fois. Donc stack 57 on a dit. Hein. Ouais. Hop. Et je vais stacker ça. Hop. Parce que autrement ça ferait trop. Pareil. Alors j'espère que je vais arriver à tout vous montrer. Vous inquiétez pas, après il y aura des piliers. On refait pas construction, comment dire, réaliste là. Voilà, là c'est peut-être mieux. Donc voilà, ça fait comme ça. Du coup je me sers un peu de cette pente là pour faire l'autre arrondi finalement. Donc finalement si on regarde bien on pourrait éventuellement, alors je vais enlever complètement ça là ici. Et on va faire comme là-bas, comme ici là, on va doubler. Alors c'est à 1 de l'autoroute. Alors ça va même tripler je pense. Et comme ça, ça comble un peu cette connerie là, qu'on voit pas. Il semble qu'il y a lui. Ouais, je vais essayer avec celui-là. Non, surtout pas. C'est lequel, Mamar? Là, lui. Non plus, mais ça fait sombre chez moi. Alors c'est le style dur. Ça, c'est pas un shader. Je vois pas pourquoi je l'ai encore. Si ça doit être bon. Ou un petit peu mieux. Mais c'est sûr, c'est pas un shader lui non plus. C'est quoi ce bazar? Lui quand même, je pense que c'est mieux. C'est sombre hein, quand même. Bon, on va continuer, c'est pas grave. Je chercherai plus tard. Donc là, du coup, on double et on suivra
cette partie là en fait. Je vais enlever parce que ça m'énerve. Je suis déçu des chefs-d'œuvre. C'est pas possible. Hop, et puis là-bas. On fait comme ça. Alors j'espère que... Ah si, on va être sur ça là. C'est dommage. Comment qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir pallier à ce... à cette connexion de texture là. Eh ben... Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Ah oui, parce que ça suit l'arrondi du tunnel. Bon, ben, on va voir après. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. Alors voilà pour ce côté-là, mais ce côté-là, du coup, ça sera juste en façade, ça sera pas le sol complet. Parce que du coup, ici, on pourrait même faire deux étages dans ce coin-là. Non, peut-être pas. Ou alors, si je fais tout droit, je sais pas, ce serait bizarre. Si je fais ça, là, juste pour éviter la connexion. Ça serait con, non? Je sais ce que je vais faire. Non. Oh, je sais pas, là. Si, je sais. Bien que c'est une... Ouais, je préfère quand même comme ça. Je comprends que c'est une solution radicale, mais bon, autrement c'est chiant, ça va pas. De l'autre côté, on va faire pareil. Quitte à... Ouais, je vais peut-être copier ça. Mieux. Pourquoi je sélectionne? Copie. Et on va de l'autre côté. Et on va paste à ce niveau-là. Non, niveau-là même. C'est bizarre. Là du coup qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme ça? On enlève ça, et puis il faut remplir bien sûr. Je vais faire un stack, puis on n'en parlera plus. C'est ça. Ah, je fais n'importe quoi, gogo. Là, il faut agrandir du coup ici. On fera peut-être un petit accès par là. Histoire d'être d'avoir un immeuble un peu fou. Bah, du coup j'ai stacké, j'ai pasté avec les blancs là.
On dirait que je suis décalé un petit peu. Ah ben non, j'ai rien dit. Bon, voilà pour ça, ça et ça. Donc ça nous fait déjà un petit truc sympathique. On va faire du coup ici, parce que ça, ça va être tout vitré. Et puis les murs porteurs seront à l'intérieur, des piliers porteurs, des murs porteurs. Donc je vais décaler de 2 ici, là. On fait un carré de 2, tac, ici. Et, ou plutôt, regardez là. 2. Donc là. Oh mince. Donc de 1, je suis obligé. Là. On va aller jusqu'au bout. Jusque là. Donc jusque là. Même. Soyons fous, jusque là. Et on va faire un replace R par. J'ai vu, attends. Je suis encore en connerie de machin. Et du coup. Voilà, et on va copier. Ben, j'ai déjà le. J'ai déjà le truc. Donc on va copier. Et on va aller le paster de l'autre côté. Et ça sera bon pour cette fois. Paste. Alors. Paste ou paste moins un. Paste moins un. Aïe 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 aïe. Donc là-bas c'est bon. Ah, il en reste encore un petit bout là. Que des petites. Que des petites conneries. Donc là voilà, il y a eu un petit souci ici parce que c'est décalé. Donc on va faire ça. On remet. Je pense que ce sera une des seules erreurs. Enfin j'espère, parce que après dans la tour je sais pas comment ça va se passer. Voilà, et on va espérer cure le bordel là. Ici on casse avant de faire n'importe quoi. Hop, hop. Et voilà. Oh mince. Oh. Alors attends. Ces machins en arrondi, enfin en décalé, c'est la vraie crotte. Voilà. Donc voilà pour notre début. J'espère que, ouais, il y a quand même assez. On voit quand même assez la forme. Donc voilà pour le début. Donc on se retrouvera pour la prochaine, pour le deuxième épisode. Je ferai ça en off là-bas. C'est pas,
c'est pas grave. Donc pour le prochain épisode, et on continuera, et je pense que là on fera la structure déjà de l'immeuble, et puis après on verra pour les piliers, pour les machins, pour tout ce qui peut tenir, on verra bien ce qu'on peut faire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao.